Bonjour, ici Sébastien pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film de Poséidon en édition Blu-ray de Wolfgang Petersen avec Josh Lucas, Kurt Russell, Jacinda Barrett, Richard Dreyfuss et Amy Rossum. C'est un film qui est distribué par Warner Bros. À la veille du Nouvel An, tous les passagers du bateau Poséidon y fêtent. Malheureusement pour eux, il y a une énorme vague de 50 mètres qui fait chavirer le navire. On suit un petit groupe de personnes qui essaient de trouver un moyen de sortir du bateau en un seul morceau, justement, puis en évitant également les dangers qui augmentent au fur et à mesure que les minutes s'écoulent. Poséidon est un remake d'un film de 1972 qui s'appelait The Poseidon Adventure avec Gene Hackman. J'ai pas vu l'original, donc je pourrais pas vous en dire plus à ce sujet-là. J'ai parlé avec mon collaborateur Yannick puis concernant ce remake, puis lui personnellement, mais il avait préféré l'original à la nouvelle version. Pour la comparaison, je vais m'arrêter là par contre parce que j'ai pas plus de détails. Personnellement, j'ai bien aimé, vraiment bien apprécié ce film catastrophe. Dans l'ensemble, le film tient bien la route et puis l'histoire est intéressante tout au long du film. Donc, peu de temps mort. Un autre bon point, c'est concernant une finale à laquelle je m'attendais pas, concernant un des personnages principaux. C'est le fun de justement pas réussir à prévoir la fin, ou du moins une partie. Et visuellement, les effets spéciaux sont bien faits sans être les meilleurs, mais à quelques reprises, la trop grande qualité de l'image me fait paraître certains défauts du film, comme des effets, par exemple les effets CGI, qui auparavant n'apparaissaient pas à cause de la qualité visuelle qui est amoindre. Pour les pistes sonores, il y en a beaucoup. Donc, on retrouve l'anglais DTS HD 5.1, français 5.1 double au Québec. Il y a français 5.1 que j'ai déduit, c'est le français européen. Il y a l'allemand 5.1, italien 5.1, portugais 5.1, espagnol 5.1, castillan. Il y a également aussi espagnol 5.1, latino-américain. Maintenant, les sous-titres. Mais on en a en anglais, danois, hollandais, finlandais, français, allemand, italien, norvégien, portugais, espagnol, castillan et espagnol latino-américain. Donc, vous avez vraiment le choix des langues. Il y en a pour vraiment tous les goûts. Pour les suppléments, vous avez les mêmes qui étaient sur l'édition DVD, soit Poseidon, A Ship on the Sun Stage qui explique comment ils ont fait le film. Il y a A Shipmate's Diary qui explique les différences entre ce qu'on apprend à l'école puis qu'est-ce qui se passe lors de la conception d'un film important. Il y a également Poséidon Upside Down qui explique les différents défis à surmonter. Il y a aussi également le 2006 History Channel Rogue Waves de Sinking of Poséidon qui explique les réels événements d'une énorme vague. Puis finalement, c'est tout pour les suppléments. Puis comme je disais, c'était les mêmes suppléments qui se retrouvaient sur l'édition DVD. Donc, c'est en général. Moi, j'ai bien aimé le film. Ça offre un bon divertissement avec une histoire qui m'a tenu accroché pendant tout le film, contrairement au film Catastrophe 2012 qui vient de sortir précédemment. Mais pour ça, c'est une autre critique que je vous invite justement à visionner sur mon site. Puis justement, c'est un très bon film. Je le conseille. C'est un bon film Catastrophe. On s'ennuie pas. Puis, je trouve qu'en général, le scénario se tient bien. Puis, ça vaut la peine d'être vu. C'était Sébastien. Je vous remercie. Puis, je vous souhaite un bon visionnement.